C'est la culture ouest-africaine qui nous inspire en ce jour dans la cuisine de Charlotte avec ce ragoût délicieux, diabétique sain au poulet américain. Pour cette recette, on a besoin du poulet, du sel, du poivre, de l'huile, de l'oignon, du gingembre, de l'ail, de la tomate, du thym, du bouillon de poulet, du beurre d'arachide, du poivre de cayenne, de la patate douce et une boîte de d'olive à l'œil noir. Assaisonnant avec sel et poivre, dorez le poulet dans une goutte d'huile. Ensuite, gardez au chaud. Pour moins de graisse, vous pouvez aussi pocher le poulet, ce qui veut dire cuire dans l'eau bouillante jusqu'à ce que la viande se détache des os. Dans la même marmite, faites revenir l'oignon avant d'ajouter l'ail et le gingembre. Ensuite, cuit pour une minute. Ensuite, ajoutez les d'olives, tomates, patates douces, beurre d'arachide, poivre de cayenne, thym et le bouillon. Mijotez pendant 20 minutes doucement jusqu'à ce que les patates douces deviennent tendres. Ajoutez le poulet et faites cuire. Rien de plus simple, non? Vite fait et facile pour vous réchauffer en douceur. Revoyons nos ingrédients. Du poulet, du sel, du poivre, de l'huile, de l'oignon, du gingembre, de l'ail, de la tomate, du thym, du bouillon de poulet, du beurre d'arachide, du poivre de cayenne, de la patate douce et une boîte d'olive à l'œil noir. Vous pouvez aussi télécharger dès maintenant cette recette sur notre site. Que ce soit une recette réconfortante que vous cherchez ou un repas consistant, restez branchés dans la cuisine de Charlotte. Mesdames et messieurs, je vous présente, venant des États-Unis, plus grand, plus sain, plus savoureux. Wow!